Hello tout le monde, ici OmegaLX, on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Egglock sur Pokémon Sacred Gold, ou Sacred Gold comme vous voulez. Bref, la dernière fois nous avons commencé l'épisode avec Sabri et... Enfin, on a commencé l'aventure, et nous, donc, après éclosion, sommes tombés sur ces Pokémon-là. Donc, un insécateur qui avait la peau métal, qui dans ce jeu peut permettre d'évoluer directement en Scizaiox. Donc, Scizaiox avec Vive Attaque, Onde Vide, Pistol Point et Bourdon. Tarsal avec Choc Mental, Entrave, Regard Noir et Ombre Portée. Et Kabuto avec Volvi, Tunnel, Retour et Larcin. Tous niveau 7, on les a mis au niveau. Et on peut continuer l'aventure. Donc aujourd'hui, on va continuer cette aventure. On va être en solo pour cet épisode. Je le tournerai assez souvent avec Sabri. Même si vous remarquerez peut-être qu'avec Sabri, j'ai des mini-freezes, hein, on va dire. Mais je peux vous assurer qu'en combat, je ne lag pas, même si je suis avec Sabri, et que c'est pas grand chose, hein. Vous pouvez résister, je sais que vous pouvez résister. Donc ouais, si quand je serai avec Sabri, il y aura des mini-freeze quand je serai en train de bouger sur la map ou quoi, mais en combat, on n'aura pas de freeze, donc c'est parfait. Et l'accélération, on est pas mal aussi, elle est un peu réduite, on va dire, mais ça va. Donc let's go, on va continuer l'aventure. Alors, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, vu qu'on a la canne à pêche, on l'a reçue du vieil homme... qui nous donne de base les chaussures de sport, mais qu'on les avait déjà, on a la canne à pêche, donc qui nous permet d'aller pêcher, putain, je dis toujours, pêcher à Villegriotte, tout simplement, du coup, je dois appuyer avec la souris, à mon avis, et donc, on va pêcher un Pokémon ici, essayons de trouver, parfait, on va pouvoir l'échanger avec un Pokémon dans le PC, et nous tombons sur Krabby niveau 7, déjà niveau 7, parfait, nous pourrons donc l'échanger. Alors, je sais pas si Krabby a une attaque dangereuse, je vais mettre Like a Boss. On va essayer de capturer ce Krabby, y a pas de souci. Alors, il nous fait quoi? Il nous fait... Pff. Je sais pas ce que c'est cette attaque, mais ça réduit la puissance des capacités électriques, donc c'est vraiment pas grand chose. On va faire Vacuum Wave, à savoir Onde Vide. Bon, ça va, on met pas d'horribles dégâts. Vive Attaque, voir ce que ça change. C'est un peu mieux déjà. Buldo au niveau 7, what the fuck? Attention, oula. Voilà, il nous arrive pas mal, hein. Pour éviter que je le tue pas. Ok. Lançons les balls. Donc, rappelons qu'on en a eu 15 de la part de notre ami, hein, pas rival. Parce que Lyra, c'est pas le rival, c'est juste, comment dire, une amie. Parce que c'est elle qui vous apprend à capturer des Pokémon de base. Et au lieu de vous en donner 5 dans le jeu original, dans ce jeu, dans ce hack, elle vous en donne 15, ce qui est pratique, hein, on va pas dire non. Du coup, on va remplacer Krabby par un Pokémon au hasard, et on le mettra à niveau 7, du coup, tout simplement. Alors, faut pas que j'oublie d'enlever tous les items au Pokémon, je ferai ça off-screen, vous savez. À un moment, vous me verrez avec beaucoup d'items, c'est parce que je vais parce que tous les œufs dans mon PC ont des items, enfin presque tous les œufs, et donc je devrais sûrement enlever... leurs items, voilà. Ah, Psycho, ça c'est sûrement notre Galam. Flames plugin. Je vois juste qu'est-ce que je peux avoir. Qu'est-ce qui serait intéressant. La boîte 10 m'a l'air intéressante. Thunderstone. Pichu. Nappa. Attends, regarde. Lucky Egg. Est-ce que j'ai envie d'avoir des œufs chance? Je sais pas. TM29. Mentalist avec Psycho. Tu paries que j'ai envie de voir ça. On va prendre Mentalist. Il est modeste ce bâtard en plus. On va lui prendre... Il a psycho, les gars. Il a psycho. On va lui enlever la CT. Comme ça, on pourra l'avoir. Parti. Hop. Qu'est-ce que ça fait, sort items? Ah, ça fait juste... Bon, on peut les voir comme ça, en fait. Ok. Enfin, quitter. On va faire avec l'or ce Pokémon... A mon avis, c'est un Nabra. Suspense. Oh non, encore un Tarsal. Du coup, on pourra pas l'utiliser. Enfin, jusqu'à que celui-ci meure, on pourra pas l'utiliser. Du coup, on va l'appeler Mentalist. Alors du coup, je vais pas apprendre Psycho au Tarsal que j'ai à présent, parce que, je vous l'ai dit, ce sera un futur Galam. Donc ce serait un peu con d'avoir, enfin, de mettre Psycho sur un futur Galam. Enfin, pour l'instant, ce serait utile, mais après, je vais l'enlever, parce que j'aurai sûrement un coup de Psycho, un truc du genre. Donc voilà, Il a aussi Shadow Sneak. Je sais pas, attends.
Où est-ce que je peux le mettre du coup? Bah oui, la boîte 17. Parce que ça, voilà, c'est pas rempli. On prend du temps, mais on découvre un peu quand même. Hop. Du coup, j'aurais dû le mettre niveau 7 en fait, à le poser parce qu'il est niveau 1 là. Bon, ouais, on va faire ça. Donc, on va faire withdraw. Hop. Nice. On va accélérer du coup. Non, pas ici. Voilà, on va le mettre niveau 7, comme ça il sera prêt au pire des cas. Sur la liste. Hop. Hop. De toute façon, je crois qu'il va prendre rugissement niveau 6 fois. Rugissement. Choc mental. Voilà qui est fait. Faut toujours accélérer en fait. Déposite. Toi, du coup, tu vas aller à la boîte 17. C'est ça. On est prêt. J'aurais voulu avoir un abra parce que les abras ça peut être intéressant avec les points élémentaires, tout ça, mais bon. Ça n'aura pas été le cas. Bicyclette, let's go. Ah. Je suis pas confiant. C'est des niveaux ici, je suis pas confiant. Aujourd'hui tu es avec Bourdon, je suis con. Toi par contre c'est notre. Ah, miskick, pardon. J'ai pas fait exprès. Bon, au moins on est full life. On va pas dire non hein. Voilà qui est fait. On prend de l'XP gratuite. Alors, juste pour passer les hautes herbes, on va accélérer. J'ai eu peur de ne pas pouvoir fuir. Hop. En le tuant, disons 4 retours. Ouais, on va pas utiliser 4 quand même. Juste faire l'arcin, c'est suffisant. Et avançons. Alors, premier dresseur du jeu, les gars. On est chaud. Qu'est-ce que tu as à nous offrir? Ratatin, ok, niveau 7. Ok, on a bien fait de se mettre niveau 7. Vu que l'adversaire l'est aussi. Charge, ok, ça devrait pas faire trop de dégâts. 3 HP quand même, ouais, c'est pas rien. Focus énergie. Oh le bâtard, il joue stratégique le con, il joue stratégique. Il a envie de nous mettre des CC. Est-ce que retour le tue? Je crois que oui quand même. Il a raté vive attaque. Oh! Il a agitation, c'est pour ça qu'il fait mal. D'accord, ok, y a pas de souci. Niveau 8. On va se mettre niveau 10 avec Kabuto et après on va switcher. Tant qu'à faire. Youngster Joey a perdu. Oh, c'est Joey? Oh, genre c'est le meilleur gamin du monde. Avec son ratata. Je ne savais pas. Je ne savais pas du coup. Bike shop. Ah oui, c'est vrai, on a la bicyclette. Bah oui, c'est normal que ça s'appelle. Oh, tu m'as fait de la bicyclette, merci. Je voulais juste te donner, juste te dire merci et te donner la bicyclette. Bon, comme quand on l'a déjà. Hein. Oula. What? Est-ce que c'est une Aroma Lady? Bon, je déconne, j'ai déjà joué au jeu donc je sais ce que c'est une Aroma Lady. Ramène-toi. Elle a 4 Pokémon, hein. Putain, c'est pas rien, niveau 6. Au moins, on peut pas tomber empoisonné parce qu'on est type assis avec Zyox. Bourdon, c'est une attaque spéciale, mais ça one shot. Oh, critique, je me disais aussi. Live One XP par ici. Oh, pas mal. Et lui, c'est Fouinette. On va faire tunnel à mon avis. Ouais, tunnel, let's go. Nice. On va faire des dégâts. Monsieur, encore. Ah oh oui, concernant la luck là. Ici, d'un que je switch. Bon, je veux le one shot. Parce que je me disais, est-ce que je mets pas. Est-ce que je mets pas Blades et faire choc mental? Parce que, mais s'il fait patience, je suis dans la merde en fait. Comme il. Ah non, vive attaque? What? Je me rappelle pas de ça.
Bon là c'est normalement one shot. Level up, level up, level up, level up. Nice. Niveau 8 avec Like a Boss. Ensuite. Shirobi. Oh c'est Ruby. Bon là on peut mettre Blade, on est safe. Niveau 6, ok. Choc mental. Ouh, ça fait pas autant de dégâts que je croyais. Bon, ça va. Au pire, en CC, il m'enlève 10. Toujours voir le CC qui vous enlève. Ouh, encore! Mais putain, c'est quoi cette chatte? Et c'est infâme! J'ai trop de chance là! Non, c'était juste ce combat, après ça va se retourner sur moi. On se calme, c'est le début du let's play! What? Ah oui, c'est vrai, putain. C'est pas un scout qu'on va combattre ici, mais. Quelqu'un d'autre. Alors, du coup, elle a des Pokémon bébés, on va dire, je crois. Est-ce qu'on peut mettre Blades à mon avis? Oui. Est-ce que tu vas en sortir des tout doudou et des mélos, toi? Voyons voir. Oh, ok. Bon, c'est pas tout doudou qu'elle a, mais c'est grand doudou. C'est rond doudou, pas gros doudou. Rond doudou. Je suis mental. Ah ouais, il a Tornia lui, non? Ou écrase pas juste? Sing. Esquive. Esquive d'ouf. On tue, parfait. 97 XP. C'est la moitié du niveau. Skitty. Toujours sur l'optique de berceuse attraction. Je suppose. Get wrecked! Parfait. Clefairy. Ah bah, Mélo fait. Elle a pas Mélo. Hein. Elle a pas Mélo. Enfin, elle a pas les bébés. Malgré le niveau, elle a les grands. Bon, je sais que Mélo fait, c'est un peu plus tard qu'ils vont doudou déjà. Même pas. Wow, what the fuck? Non, c'est pas normal. Et on se calme. On se calme tout de suite, c'est pas normal. Hein. Pourquoi je suis en tant que critique que ça? Je sais pas, hein. Je sais juste pas. Niveau 9. Youhou! Je sais pas, ça m'étonne, les gars, ça m'étonne moi-même. Que ne croyez pas que c'est. Je m'en bats les couilles comme ça, mais. Ça m'étonne que je fasse autant de critiques. Nouvelle route! Nouveau Pokémon! À capturer Chenipote. Ok, faut capturer ce truc. Like a boss! Piste au point. Me tue pas s'il te plaît. Oh merde. C'était con de ma part. Je suis désolé. Là j'ai raté un Pokémon bêtement. Cascoon. Oh. C'est de la bonne XP ça. Attends. Bourdon. On tue. Parfait. Oh, putain, on peut tellement bien XP ici, je reviendrai, c'est sûr. Dark Cave. Arrête de laguer s'il te plaît, c'est pas le moment. Je veux dire, on a fait un épisode parfait avec Sabri juste avant. Pourquoi ça laguerait comme ça quoi? Sabolette, bon déjà ça tank un peu plus. Oui, largement. Pokéball. Oui, parfait. Et il est niveau 8. Ok, donc pile le niveau de la team. Y'a pas de soucis, continuons. Ah, y'a pas de. Ah oui, y'a pas d'arbre à couper ici, on peut traverser comme ça. Nice. Pokéball, ça. Un bug catcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bah, soit Blades. Ultra Beast, c'est un peu dangereux, je sais pas. On peut faire. Vas-y, on va tenter. On va pas mettre Blades. Justement, parce que justement, c'est des insectes. On sait jamais. J'aurais juste dû mettre Blaze en fait. Allez, tunnel. Ce sera neutre sur lui parce qu'il est moitié poison. Il voulait nous faire grimace. On s'en fout un peu. Et bon dégâts. Nice. Grimace. Bon là, il nous outspeed. Larsin.
Please, oh merde. Please, 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 please. Oh, je voulais éviter ça, mais bon. Ok. Kabuto, on va devoir te switcher. Ah, oh, ils m'ont pas de niveau en plus. Oh la non-chance, quoi. Allez, dis pas. Bon, tu sais quoi? On va juste switcher, hein. Bug bite. Ok, la piqûre. J'ai bien fait de switcher. Bullet punch. Oh la vache! Super Saiyan. Oh non. Mais vas-y, mais vas-y. T'es chiant, mec. Ça fait tellement mal. Il m'a mis un coup critique en plus. Potion. Ok. Travis monte au niveau 9. Et il nous envoie un Ningal. On a un gars Ningal, bref. Je joue pas avec Blades, toujours pas, parce que je suis pas. Je vous le dis, je suis pas confiant. On va faire Bourdon. Plus confus, parfait. One shot? One shot mon gars, c'est bon ça. Xyliox. Qui fait le taf. Poursuite. J'aime ça. Du coup, est-ce qu'on peut la prendre à la place de type attaque peut-être? Bah ouais. Bah ouais on peut. On a déjà des attaques de priorité, donc poursuite c'est bien comme attaque en plus. Je vais me la garder. Source kit. Est-ce que je peux vraiment mettre base? Parce que... Arachdo quoi, qu'est-ce qu'il peut me faire? Sérieusement. Fuck it. Fuck it. On y va. Je crois pas qu'il a piqûre quand même. Ce sera pas abusé. Enfin abusé, tous les autres longs hein, je veux dire. Mais... Je commente, on l'a outspeed. Il a vive attaque, ça je le sais. Bubble. Easy! Ah merde. Je perds de la vitesse. Il fait la même chose. On le tue. Parfait. On va prendre du poison à chaque fois, ouais, si tu veux. On va te donner notre numéro. Attends, le matin 06, ouais. Et ouais, on va prendre du poison, mais normalement, survie. J'y vais normalement. Oh, excusez-moi. Like a boss. Putain, je suis trop con, je dois le... Bon, attends, je vais le switcher parce que sinon... On sait jamais. Oh merde. Oui, c'est vrai, je suis en accéléré. Oh là là, mais arrête! C'est pas normal que ça l'a comme ça, sérieusement. Je savais que c'était toi. Voilà quelque chose pour toi. Arrête de putain de laguer. Voilà, ça lag encore. Est-ce que ça va laguer quand elle va sortir? Non. Mais nous? Pour nous? Oui, évidemment. Toujours. Mon dieu, mais arrête quoi, putain. Ça me fait ça juste après que je tourne en plus. Je comprends pas pourquoi ça me le fait. J'y crois pas. T'as survécu au poison. Je sais que c'est énervant les gars, mais s'il vous plaît, juste résistez un peu. Moi aussi ça m'énerve. Du coup. On est arrivé à Mauville. Le sablette, on va l'échanger, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Spark, Napiver, Scoplens. Ah. Dictée. What the fuck? J'aurais juste les surnoms sont juste épiques. Attends, je crois que je vais prendre Napiver. Parce qu'il y a le Scoplens. Pas en fait. Spark, on va prendre Spark, vas-y. On va prendre Spark. On va le mettre niveau 8 de toute façon. Oh!
Magnéti. Magnéti, putain. Oh, excellent. Du coup, il s'appelait Spark. Oh, juste excellent. Juste excellent. Attends, du coup, il a quoi? Il a pas d'item déjà. Enfin, il avait pas d'item quand il était sous forme d'œuf, donc. Modeste de nature. Arrête de laguer, putain. Alors, qu'est-ce qu'il a? Charge, stridoson, ou rayon signal et météore. Ah, pour un Pokémon niveau 1, j'aime bien. Alors, s'il peut apprendre éclair. Cet épisode va me faire rager, hein, je vous jure. Niveau 8, du coup, on le met. Éclair. À la place de charge, ouais. Nice. Juste nice. Parfait, ça. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est obtenir un starter ici et... en répondant à certains questionnaires. Donc, oui, on va faire le quiz. Est-ce que les Pokémon d'Owen étaient obtenables dans Rouge Feu? Non. Ah si. C'était lesquels? Je sais même plus en plus. Non, oui, du coup. Question 2. Plus de... on va dire oui. Bon, ça marche, hein. Est-ce que Bulbizarre, c'est le premier... Non, c'est Pikachu. Le premier Pokémon créé, c'était Pikachu. Et peut-on trouver Tropius dans Diamant et Perle? Non. Je me connais un peu quand même. Alors, on peut choisir n'importe lequel, de toute façon, on va le remplacer. Donc, on peut choisir, par exemple... Ah, vas-y. Charmander. Alias Salamèche, qu'on va remplacer, de toute façon. Non. Je crois qu'il est niveau 10. Attends, il est niveau combien, du coup? Ah, merde. Niveau 10, donc on aura un Pokémon niveau 10. C'est tout bénef. J'aurais préféré ça, en fait, à Togepi, parce que si on attend d'obtenir Togepi, ce sera déjà après l'arène. Et de deux, du coup, on va prendre lui. Et du coup, Togepi niveau 1, quand il éclot de l'œuf. Donc, c'est juste pas ouf. C'est pour ça que j'ai fait ça. On va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qui pouvait avoir une lentiscope? Oh mon dieu! Un Absol, mesdames et messieurs, c'est un Absol! Oh putain de merde! Oh putain de merde! Oh my god, Absol quoi, juste ça! Direct! Direct! Niveau 10 en plus, on l'a! Mec! Mec! Il est chanceux en plus! Il a Kuba et surpuissance! Mais mec! Mais c'est quoi ce Pokémon? Oh là 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 là, mais c'est juste magnifique ça! Juste magnifique! Scoplens, on met niveau 10. Absol! Absol! J'ai juste envie de dire ça, Absol! Absolument Absol! Voilà! J'ai juste rien à dire, j'ai un Absol dans l'équipe, les gars! J'ai un Absol dans l'équipe! Non, 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 n'apprends pas ça, n'apprends pas ça, j'en ai pas besoin! Et regardez les attaques qu'il a quoi! Surpuissance, Kuba, Météore et Griffe! Mec, mais je vais juste faire des étincelles avec ça. Non, non, j'ai pas envie que t'apprennes une provoque. Mon dieu. J'avais une intuition parce qu'il avait la lentiscope. Est-ce que je suis content? Je suis... Là, je suis comblé. Je suis comblé. J'ai rien à dire, je suis comblé. J'ai rien à dire, les gars. J'ai un Absol, je suis comblé. Du coup, direction la tour Chétiflore. Putain. Mais c'est quoi? J'ai juste... Ça, c'est l'épisode de la chance pure. J'ai eu des coups critiques en chaîne, j'ai eu un Absol. C'est bon, c'est fini. Oh mon dieu, quoi. Est-ce qu'on peut capturer un Pokémon ici, du coup? Oui, on peut. Je crois qu'on peut. Oui, on peut. Ah, ça nous tourne. Niveau 11!
11. Putain, mais ce jeu m'offre des choses. Je suis content. Rentre dedans, s'il te plaît. Et rentre dedans, en plus. Niveau 11. Et tourmi niveau 11. Bon, je vais XP ici, les gars. C'est mort, je fais XP ici. Mais comment dire que je suis tellement content? Après, Absol, c'est... Dans le cas où je l'ai eu, j'ai surpuissance. Et Kuba, c'est hyper fragile comme Absol. J'ai pas encore les attaques genre transmis, tout ça. Hein. C'est... Ça, ça viendra après. Du coup, on peut s'accorder un dernier Pokémon. Jaws. Alors ça, je crois que c'est Kaiminus. On va voir. On va prendre Jaws. Il sera niveau 11, du coup, on va voir ce qu'il y a. Mon avis, c'est Kaiminus. Parce que Jaws, ça veut dire mâchoire. Oui, monsieur. Parfait. Donc, on va l'appeler Jaws. Jaws. On pourrait mettre un Z pour le troller, mais non. Du coup, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Il a Ice Punch, il a Point Glace, Dracogriffe, Gros Yeux et Griffe. Mon dieu. Bon, je sais que Kaiminus peut avoir comme attaque d'œuf, comme attaque d'élevage, quoi. Il peut avoir Danse Draco, j'aurais espéré que celui-là l'ait. Mais il ne l'a pas, il a Dracogriffe, Point Glace, Griffe et Gros Yeux. Ce qui n'est pas mauvais, hein, clairement pas, c'est pas mauvais. Je vais garder ce Kaiminus. Donc ça nous fait une équipe de 6, les gars, on fera XP. Je sais pas si je vous montrerai les phases d'XP ou pas, je crois que je vais juste faire hors-champ, hein, parce que vous vous en foutez un peu des phases d'XP. Je peux vous les montrer, mais... Du coup, on le met niveau 11, et on arrête. Voilà. Du coup, on a passé environ 10 minutes à faire éclore des œufs, on leur remet des off-champs. Enfin, des off-champs, des super bons. Je sais pas si je ferai les phases d'XP, honnêtement. On verra, au pire on verra. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure limite sur ça? Je crois que oui, hein. Parce que le prochain épisode, du coup, on pourra faire la tour Chetifleur, on va enchaîner sur l'arène. Est-ce qu'on est soigné d'ailleurs? On est soigné. Avec cette équipe de monstres, regardez-moi ça. Tellement diversifié. On va y aller. Let's go. Avec cette musique qui fait peur. Un tout petit peu quand même. Premier dresseur. Let's go. Montre-moi ce que t'as, mon pote. Quatre Pokémon déjà. Et niveau 8. Ok, donc on a pile poil le niveau. Bah, rayon signal du coup, parce que c'est super efficace. One shot, mon gars. C'est bon ça. Bellsprout. Blades, du coup, on va mettre Blades. Je vais commencer. Là, tu one shot aussi, Blades. Fais-moi plaisir. Allez. Oui, monsieur. C'est bon, ça. On va pas switcher. Niveau 10. Hop là. Reflet, il veut apprendre. Je suis pas fan. Je peux pas mentir, je suis pas fan. Et il nous envoie un... Oh, Tarsal. Est-ce que je fais mon tron? Non. Je sais qui je vais envoyer. Allez, Absol, let's go. Nappy Bear, you scratch. Fais du mal, mon pote. Vous avez vu ces dégâts? Bon, en même temps, c'est un Tarsal, je vais pas déconner. C'est qu'une griffe, quoi. Mon dieu, ce truc cogne tellement. 120 d'XP.
J'en reviens pas, j'ai ce truc sur moi, j'ai un Absol, j'ai un Absol, mon dieu. Juste magnifique. Je crois que je vais faire la tour Chotiflore. Vas-y, on l'a fait, on va la faire sur cet épisode, comme ça on s'entraînera pour l'arène. On se partagera au niveau 12-13 et on arrêtera l'XP. Et voilà quoi. Je gère, on est d'accord, je gère. Boum! Ah, tu veux te booster, t'auras pas la chance, mon pote. Bon, on va accélérer. Parce que sinon, l'épisode sera trop long. Niveau 9. Execute. On va rester. x4 sur rayon de signal. J'ai cru qu'il m'a hospité pendant un moment. Oh, bah, parfait. Critical hit, il m'a mis, je crois. J'ai du mal voir, mais je sais pas en fait. Montons. Ah, il y a un item ici. Je l'ai raté. Enfin, je l'ai raté, je vais aller le reprendre, mais. Oh, les dégâts, mon pote! On va soigner la potion, je crois. Parce qu'on en a quand même pas mal des potions, on va pas se mentir. Hop là. Veuillez m'excuser. Le niveau augmente, fais attention. Coup critique, j'ai mis. Pas mal. Super ça. Ouh! Est-ce que j'ai envie de faire chez mes ennemis? Bon. Non. On s'en fout de la confusion. Oddish. Ça c'est. Comment ça s'appelle déjà? Mister. Vu qu'on met en Cisaiox, j'aurais pu mettre Blades, mais il faut entraîner tout le monde, hein. Pas négliger les autres. Je voulais pas faire ça. Je voulais faire Bourdon. Bon, c'est un peu la même chose en fait. Bullet Punch, on en finit. Niveau 10, ok. Out, out. Re-switchons. Qui peut. Bah, ultra vite, hein, y'a pas de soucis. Bon, ça va, hein. Il fait bien plus de dégâts qu'il nous en fait. Hypnose, je suis pas fan. Déjà? Il se réveille déjà? Oh oui! Concernant la vénérance. Mon Pokémon est vénère. Une autre potion, on va s'en servir. Merde. Allons-y, donc il nous reste 4 dresseurs avant de finir l'épisode. Let's go, rushons. Ceci. Est-ce que j'ai envie d'être safe? Ouais. Niveau 12 quand même. Deux shots! Like a boss est chaud. Jin a perdu. Attends. Attends, attends. Je sais pas au fait. Bon, on va continuer sans, mais. Psycho-quink! Psycho-swink! Bâtard. Putain, il me fait mal, hein. Natu. Vas-y, on va être Ultra Beast. On a Larsa en plus. Confusion. Oh bâtard. Oh bâtard. 13 HP. Putain. Ah, on met pile midlife quoi. Est-ce qu'il va refaire choc mental? Oui, monsieur. Ok. J'ai pas envie de faire Sucker Punch. Je sais pas, je vais juste faire Griffe en fait. Bon, on tue. Parfait. Niveau 10 pour Ultra Beast. Niveau 10 pour Absol. Bulle bizarre. On va mettre Blades. Ramasse. Oh yeah! Critique. Maman, j'ai peur, maman, j'ai peur, maman, j'ai peur, maman, j'ai peur. C'est bon. J'ai eu peur pendant un moment, ça va. Spark est déjà niveau 12.
Bon, vous savez quoi, on les mettra niveau 13 hors enregistrement. Là, on va mettre Absol en premier. On va mettre Absol en premier. Let's go. Ah bah. Oh, oh, oh. Téléport. Oh le pauvre. Tiens, ramasse. Oh, il néglige absolument rien, cet Absol. Mec, tellement puissant. Coup critique. Tellement inutile, mais la puissance est là. Oh mon dieu! L'XP qu'il a récupéré? C'est chaud. Out. Est-ce que je fais. Vas-y, je fais combat. Je m'en fous. Oui, ça touche. Oh là, l'antiscope qui fait plaisir! Mon dieu, ce qu'il est fort ce Pokémon. Vive attaque. Oh, tu parles que j'ai envie de lui apprendre. Oh, Absol, il parle tellement ma langue ce Pokémon. Oh, pip. T'as pas d'attaque. Non, je suis pas risqué. Je vais me dire, ouais, il a pas d'attaque plante, mais on va pas faire ça. De toute façon, il peut pas one-shot Kaiminus. Je crois. Hein. Donc, point glace, ça devrait le faire. Easy. Bah! En plus, on a le speed, donc là, x4, please. Voilà, c'est comme ça. Coup critique. Ah, 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 ah. Oh mon dieu, les coups critiques sont juste réels. Les coups critiques sont réels. Exécute. On reste. Je suis un bolos. Vas-y. On va mettre point glace. Est-ce qu'on peut le tuer? A mon avis, non, mais voilà. Reflect. Oh le bâtard. T'as envie de résister. Tiens. Enfin, je le tuerai pas avec ça, mais. Rouge à taureau sera fini. L'esquive de skill, l'esquive du skill, et bim! Oh là là, la puissance de mes Pokémon est juste énorme. Alors, en tant que joueur safe, hein, je vais soigner Ultra Beast, parce qu'on sait jamais. Je vais pas commencer avec Absol. Je vais commencer avec. Like a boss pour être safe, parce que c'est mon évolution, c'est mon Pokémon qui fait mal. Donc on va y aller avec lui. Ratata, bon, on va s'occuper de ça d'abord. Oh, il fait juste pas mal, lol. Genre, l'attaque normale, l'attaque stabée, elle fait plus mal que l'attaque super efficace. Après, c'est du spécial physique, faut comprendre. J'utilise un maximum de potions là parce que j'ai juste pas envie de prendre de risques. Et let's go! Le rival. Ouais, tu devrais utiliser tes Pokémon de manière un peu plus truc, voilà. Ce ne sont pas des objets de guerre. Et là, c'est vrai que dit, il croit que c'est un sage, mais dit de la merde. Allez, je me casse. C'est notre tour d'affronter. Bon, ce que je comprends pas, c'est que le sage vient de combattre. Mais là, il dit ouais, je peux encore combattre. Je peux te donner une pierre évolutive quand tu me battras. Oui, il va nous donner une pierre évolutive et non pas flash. Il nous donnera enfin un item pour faire évoluer Evoli en fait. Tout simplement. Bellsprout. Ok, niveau 12. On va mettre un petit bourdon. À mon avis, ça devrait le faire. Tranquille. Ou pas. Ou pas. Bon, on va pas accélérer pour ce combat parce que c'est, on va dire, entre guillemets, un combat important. Coupe! Il a déjà ça, lui. Vacuum Wave, ça devrait suffire. Bon, je crois que là, il a vraiment un HP, donc si je survivais, je me disais, what? C'est possible. Niveau 11. Ensuite, qu'est-ce qu'il va envoyer? Out. Je peux m'en sortir, soit d'accord. Ultra Beast, bah du coup, ouais. Vas-y. J'ai peur qu'il soit niveau 12 ou... Ouais, il va être niveau 12 sûrement, en fait. 14 oh, non. Ça va. Oh, merde. Fuck, merde. Magnéti, j'ai besoin de toi. Mais non, mais vas-y. Oh là là. Allez, repique-moi, il est con de faire ça. Réveille-toi, s'il te plaît. Je mets pas tant de dégâts que ça en plus. Non, mais vas-y, il va spammer. Je mets une potion.
Météore puis éclair. Il les touche toutes, hein, c'est ça qui m'énerve en plus. Bon, on se l'avait juste après, parfait. Chingling. Ça c'est... comment ça s'appelle? Carillon. Carillon. Non. Je sais pas si ça s'appelle Carillon en fait. Je sais pas. Ouais, like a boss. J'aurais pu rester, laisser Spark en fait. Donc du coup, je vais faire XP niveau 14 au lieu de niveau 13. Ouais, je ferai XP niveau 14 pour l'arène. Parce que ouais, autour de niveau 14, copies. Bug buzz. Ramasse. Oui monsieur, c'est bon ça. Confusion, on s'en fout. Tant qu'il ne me pas confus, c'est parfait. Et c'est Ruby. C'est Ruby, on va laisser Blades. Enfin, on va mettre Blades. Il a deux niveaux de plus que nous. Oh, je suis pas dégue... Oh, non, 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 non. Oh, j'ai peur. Bon, avec le boss, on a besoin de toi, là. Oh, je suis mis, il fait mal, hein. Merci, j'ai eu chaud. Là, ma favorite... Ouais, mais on doit choisir, là, quoi. Bon, on peut dire non, mais non, ce sera un peu con. Bon, j'ai envie d'une pierre évolutive, ou... On va prendre Espion pour qu'il nous donne... Oh, voilà. Parce que ça peut faire évoluer des gens, ça, je le sais. Ah, parce qu'il nous donne aussi Flash. D'accord. Merde. C'est pas le moment. Bon, on va le buter, mais... Il m'a fait picor, là. Il m'a fait picor, on est d'accord. Genre, il l'a pris en niveau 11 ou quoi. Bref. Je suis surpris. Bon, l'Obad Orb, c'est un objet qui a été rajouté dans le jeu qui permet de faire évoluer Mentally. Tout simplement. Mais du coup, on va se quitter sur ce. L'épisode prochain, ce sera l'arène. On sera Pex à mort. Enfin, XP à mort, comme vous voulez. Nous allons donc nous retrouver dans le troisième épisode pour l'arène d'Albert, sûrement avec Sabri. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous voulez la suite. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur Let's Play, sur ce que vous voulez en fait. N'hésitez pas à poser des questions sur cet épisode, notamment si vous en avez. Voilà, bref. C'était Omega LX, je ne suis plus là. J'attends que les sauvegardes se finissent parce que je suis toujours comme ça. C'est une tradition chez moi, mais bon. Et moi je vous dis, ciao tout le monde !